Le consommateur n'a aucune chance de différencier aujourd'hui une huître naturelle d'une huître triploïde. La triploïde est une huître stérile, donc ne produit pas de gamètes, ne devient pas laiteuse, et donc on peut les vendre toute l'année. Si un ostréiculteur veut faire de l'huître triploïde, il est obligé d'aller acheter des graines chez un écloseur. Donc voilà, donc on est sur un modèle un peu qui ressemble à l'agriculture quand même. C'est pas du Monsanto, mais on n'est pas loin. Les autres ostréiculteurs pourraient peut-être dire que si on est minoritaire, c'est qu'on n'y tient pas la vérité. Je pense plutôt qu'on est des précurseurs et que dans quelques années, ces valeurs autour de l'environnement, du respect des cycles naturels reviendront au bout du jour.